Moi, mon sport, au quotidien, c'est déjà de me déplacer. Les élèves qui ont un fauteuil roulant et qui se sont inscrits à la salle de sport, eh ben, ils sont déjà épuisés, tu sais, avant d'arriver à la salle. Ils ne profitent pas de leur abonnement. T'aurais une solution? Justement, aujourd'hui, on va vous parler de notre nouveau projet qui s'appelle HeroKit. C'est un système qui va permettre de motoriser une grande partie des fauteuils qui existent déjà sur le marché. On va vous en parler tout de suite, je vous invite à le suivre. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le Fab Lab où la majorité de nos pièces ont été réalisées. Salut Alexandre. Salut Clotilde. Ça va, ta pièce elle est finie? Oui, ma pièce vient de se terminer. Ouais, et tu penses qu'elle va tenir dans le temps? Bah écoute, tu sais, c'est pas la pièce qui a été le plus difficile à concevoir. Ouais. C'est plus Timothée qui s'en charge. Ah, d'accord. Si tu veux, on peut l'appeler. Je veux bien, oui. Très bien. Ouais Alexandre, dis-moi. Salut Tim. Le galet vient d'être terminé, je suis avec Clotilde et on se posait une question. Est-ce que tu peux me confirmer que le galet n'est pas trop contraignant mécaniquement? Ah ok, cool, super. Non, je te rassure, cette pièce n'est pas du tout contraignante. J'en ai une qui pose beaucoup plus de problèmes là en ce moment. D'ailleurs, là je suis en train de faire toutes les modifications nécessaires pour la réaliser et je t'envoie ça dès que j'ai fini. Ça nous permet aussi de quantifier les écarts entre la simulation et la réalité, comme par exemple modifier le choix des matériaux. Ok, super, on se tiendra au courant pour la suite. Salut. Bon, allez, salut Alexandre. On remercie également Julie, Vermo Médical à Dombasle, pour nous avoir donné ce fauteuil, qui sans lui, le projet n'aurait pas été possible.